Dans ce 13h, les audiences du président Alassane Ouattara, il a été question de coopération bilatérale, d'investissement privé en Côte d'Ivoire et des préparatifs du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À partir de demain, la voie reliant l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan au quartier Les Jardins de la Riviera 2 sera fermée. La mesure annoncée par l'Agéroute rentre dans le cadre des travaux de construction du troisième pont. L'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius était devant le tribunal de Pretoria ce matin. Il a été inculpé du meurtre de sa petite amie tuée de 4 balles à son domicile. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec 3 personnalités, le vice-premier ministre belge, le PDG de la société Mars et le président de la commission de la CEDEAO. Les questions abordées au cours de ces différentes rencontres, la coopération bilatérale, les investissements privés en Côte d'Ivoire et les préparatifs du prochain sommet de la CEDEAO. Compte rendu d'audience avec Viviane Aimer. La Belgique se prépare à envoyer des formateurs militaires au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Cet envoi de spécialistes militaires se fera à partir de la Côte d'Ivoire et c'est ce qui explique la visite rendue ce jeudi matin par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, au président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-premier ministre belge a profité pour féliciter le président de la République pour le retour de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Il a confirmé la volonté de son pays de développer la coopération avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Je tenais à remercier le président pour la collaboration que nous avons pu avoir sur nos interventions en soutien à l'opération française Serval au Mali. Et nous venons d'ailleurs de conclure ce matin des accords permettant la circulation de nos militaires au départ d'Abidjan et bien entendu confirmer notre volonté de développer les relations bilatérales, de le faire très fortement sur tous les terrains économiques dans lesquels nous sommes déjà présents, dans le secteur du transport, que ce soit aérien ou dans les investissements portuaires où il y a de très gros projets auxquels nous travaillons, mais également dans l'engineering, dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles, dans tous les domaines où nous pouvons apporter quelque chose à la collaboration bilatérale entre nos deux pays. Et comme je l'ai confirmé au président, nous serions ravis de le recevoir prochainement à nouveau à Bruxelles. En mission de travail en Côte d'Ivoire, une délégation de la société Mars, avec à sa tête le président du conseil d'administration, M. Grant Reid, a été reçue par le président de la République. La délégation était conduite par les ministres du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Jean-Louis Billon, et des Affaires présidentielles, Ibrahim Ouattara, qu'accompagnaient les responsables du conseil de gestion du café cacao. Premier chocolatier au monde, la société Mars est grand utilisateur du cacao ivoirien. De ce fait, cette société a décidé de promouvoir aux côtés de l'État ivoirien le développement de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, la société Mars est partie prenante dans 2 grands projets pilotes dans la région de Soubré, riche région cacaoyère, à savoir l'expérimentation de la technique du greffage pour accroître la productivité et la réalisation d'infrastructures socio-économiques pour le bénéfice des communautés villageoises. La commission de la CEDEAO est en pleine préparation du prochain sommet ordinaire des chefs d'État de l'organisation qui est prévu se tenir dans les prochaines semaines. Sommet qui doit désigner le successeur du chef de l'État ivoirien à la présidence tournante de la CEDEAO. Un choix qui s'annonce difficile au regard du leadership de qualité dont a fait montre le président de la République Alassane Ouattara pendant son exercice à la tête de l'organisation régionale. J'ai voulu lui rendre compte des préparatifs du prochain sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et également lui rendre compte de l'évolution des dossiers au niveau de la CEDEAO et particulièrement des situations de crise que nous gérons sur le Mali et sur la Guinée-Bissau. Au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Dibi,
a signé un protocole d'accord avec le vice-premier ministre belge. Ce protocole est relatif au stationnement des forces armées belges en Côte d'Ivoire. Honorine Angouri, reportage. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, s'est réjoui du raffermissement de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Il a souhaité que le Royaume de Belgique investisse dans le secteur privé, notamment le commerce, qui, selon lui, est le véritable moteur de l'économie ivoirienne. Quant au vice-premier ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Didier Reynders, il apprécie les avancées du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour l'autorité belge, la Côte d'Ivoire est un pont pour la sous-région. Pour ce faire, il entend développer un partenariat dans différents secteurs d'activité, dont l'agropastoral et le commerce. La Belgique s'est dite également prête à accompagner le processus de reconstruction en cours. Au Mali, la menace djihadiste plane toujours au nord, notamment à Gao. Les forces françaises et africaines s'activent donc pour la sécurisation de ces villes du nord. Pendant ce temps, à Bamako, le capitaine Sanogo prend officiellement la tête d'un comité de suivi des réformes de l'armée. Il a été officiellement investi par le président Diankounda Traoré. Et lors de cette investiture, mercredi dernier, le capitaine Sanogo a assuré que ce comité n'a aucune vocation politique, qui ne se substituera pas à la chaîne de commandement militaire et que ses fonctions cesseront avec la fin de la transition. On va parler des travaux de construction du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri Conan Bédier. Et bien, pour l'avancement des travaux, l'agence de gestion des routes annonce à partir de demain, samedi 16 février, la fermeture de la voie reliant l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody au quartier Les Jardins de la Riviera 2. Et pour maintenir le trafic dans la zone du projet, la Géroute a prévu des voies de déviation. Les précisions de Francis Boifou. Dès ce samedi 16 février, l'agence de gestion des routes, AGROUTE, recommande à tous les usagers du district d'Abidjan, principalement ceux en provenance de Yopougon, Trècheville, Plateau, Cocody, École de police, pour la Riviera 3 et la Riviera Golf, d'emprunter la voie de déviation à gauche une fois qu'ils seront au carrefour de la voie C50, derrière l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. A l'inverse, les usagers en provenance de la Riviera 3 et Riviera Golf, obligation leur est faite de tourner à droite au carrefour de la voie C50. La raison de ces déviations, la construction d'un pont sur l'axe Université Riviera. Nous avons pris la disposition avec les forces de sécurité de sorte que les populations ou les usagers puissent être orientés et qu'on puisse véritablement fluidifier le trafic, permettre aux usagers de vaquer librement et dans les meilleures conditions à leurs occupations. Délai de réalisation du pont, 8 mois. Il est prévu à la fin des travaux un ouvrage deux fois une voie dans le cadre de la construction du troisième pont Henri Conan Bédier, c'est-à-dire une voie dans chaque sens. Les techniciens indiquent par exemple que les automobilistes en provenance de Yopougon, Adjamé, Plateau, pourront se rendre directement à Marcory en empruntant cette nouvelle voie menant au troisième pont. L'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan sera bientôt dotée d'un espace numérique de travail. Pour les enseignants et étudiants, entre autres avantages de cet espace numérique, faciliter la circulation de l'information entre autorités universitaires, enseignants et étudiants. Le reportage de Patricia Omuetia. L'espace numérique de travail dont le site web est intranetuniv-fhb.edu.ci. est un portail électronique. Il fournit à chaque usager un accès à l'ensemble des ressources et services numériques en ligne en rapport avec son activité. Selon le présentateur du projet, Boti Désiré, webmaster, chaque utilisateur, une fois authentifié, pourra trouver des informations et services associés à son statut, étudiant, enseignant ou administration. Pour le professeur Koné Thiemouman, véritable artisan de cette innovation, les avantages sont incommensurables. L'outil qui est offert en fait à la communauté universitaire de l'Université Félix-Houphouët-Boigny comprend les agendas, la programmation des réunions facilitées. C'est aussi des outils de collaboration. Pour voir un groupe de recherche, par exemple, peut travailler en réseau sur le même document, rédiger les articles en commun, même s'ils ne sont pas sur le même site. La possibilité de faire des visioconférences à deux, à trois, pour pouvoir enrichir un document sur lequel on est en train de travailler. Il faut dire que c'est effectif depuis quelques semaines.
L'université nouvelle, innovante et citoyenne doit être gouvernée avec de nouvelles règles et des outils modernes de travail. Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de direction de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody fait de la modernisation de la gouvernance une priorité. L'attribution d'un espace numérique de travail à chaque enseignant-chercheur s'inscrit dans cette démarche qualité. Le top départ a été donné hier par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Ondia Camara Kamisoko. Il s'agit de l'opération de distribution des cartes d'identité scolaire pour la période 2012-2013. 100 millions de francs CFA, c'est le coût de fabrication de ces cartes d'identité scolaire. Et comme avantage, ces cartes permettront d'identifier les élèves et pourront être utilisées pour les consultations médicales. Les explications d'Evelyne Deba-Zegua. Voici la carte d'identité scolaire unique 2012-2013, une carte produite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Cette carte est unique parce que cette carte contient un code QR qui identifie chaque élève. La carte d'identité scolaire unique permettra, entre autres, de maîtriser le mouvement migratoire de la population scolaire, de lutter contre la fraude sur l'identité à l'école, de retracer le cursus scolaire de l'élève. Cette carte facilitera également l'établissement de documents administratifs. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, qui a lancé l'opération de distribution des cartes, demande aux élèves d'en prendre soin. Il y va de votre sécurité et du bénéfice des prestations auxquelles vous aurez droit grâce à ce précieux document qui constitue en quelque sorte votre passeport dans la vie de tous les jours. Pour produire ces cartes, le ministère a recruté une quarantaine de personnes qui travaillent de jour comme de nuit. La première étape, il s'agit de scanner les photos reçues par classe, par établissement et par drain. Après l'étape du scan, on passe à la saisie. Les données scannées sont reçues automatiquement sur tous les postes, puisque nous sommes en réseau. Le processus de fabrication des cartes est cependant freiné par quelques difficultés. Souvent, il y a des fiches qui n'ont pas de matricule. Souvent, les noms sont mal écrits. Les noms des élèves sont mal écrits. Pour avoir sa carte d'identité scolaire unique, l'élève paye la somme de 1 000 francs CFA et remplit une fiche de renseignement. Cette carte est totalement sécurisée. Nous avons là, un code barre à deux dimensions, appelé QR code. Donc ce code permet de garantir la sécurité et l'authenticité de la carte. Le contrôle peut se faire hors base de données. On peut utiliser des terminaux tels que les PDA et même les portables 3G. Ce sont en tout 984 000 cartes qui doivent être produites par le ministère. 200 000 ont déjà été fabriquées. Avec une capacité de production de 15 000 cartes par jour, le service en charge de la production des cartes compte achever son travail dans 2 semaines. Désormais, les candidats au BEP et au BAC n'auront plus besoin de fournir des attestations d'identité pour composer aux examens. Seule la carte d'identité scolaire unique est valable. Semaine difficile pour les populations des communes de Cocody et de Kumasi qui ont été privées d'électricité. La raison, la compagnie ivoirienne d'électricité l'a donnée hier au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Herman Niamien. Les riverains des communes de Kumasi et Cocody ont connu cette semaine des coupures récurrentes d'électricité rappelant les heures chaudes du délestage survenu en 2010. Face à la presse, les responsables de la CIE rassurent, il ne s'agit pas de délestage. Cette fois, les causes sont ailleurs. Les installations de la CIE sont les cibles de bandits spécialisés dans le vol de câbles électriques. Ces perturbations sont dues au fait que des individus rentrent dans nos postes de transformation, de distribution publique, la nuit, et ils viennent perpétrer des actes de vandalisme et de vol des câbles. Et chaque nuit, nous connaissons 2 ou 3 cas. Figurez-vous que dans la nuit du 11 au 12, justement, où nous étions en train de réparer les pannes que j'ai citées tout à l'heure, il y a eu 3 cas. Les causes des coupures d'électricité résident également dans la surcharge des tronçons électriques lié à la forte croissance de la demande d'électricité, mais surtout à la fraude sur le réseau électrique. En revanche, les responsables de la CIE reconnaissent que les installations sont vétustes, mais restent optimistes au regard des travaux engagés pour réhabiliter et accroître leurs infrastructures. Au niveau de la CIE, nous avons engagé donc une grande opération d'équipement, mais au niveau de l'État aussi, il y a des investissements qui sont faits.
le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a engagé des actions urgentes sur le réseau pour la construction des nouvelles lignes. Au niveau de Koumassi, justement, il y a un programme qui est prévu par l'État, un financement de la Banque mondiale qui va permettre de construire une nouvelle ligne. Les fouilles même ont commencé. Lorsque nous allons terminer dans ces zones-là, nous ne pourrons plus avoir des coupures intempestives. La direction de la CIE invite les populations à dénoncer tout acte de fraude ou de vandalisme sur ces installations. Des actes dont les effets collatéraux sont subis par l'ensemble des usagers et qui anéantissent les efforts consentis pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité. On va changer de sujet, parler du point de presse du directeur général de la RTI. Assisté par le comité managérial, le directeur général de la RTI a échangé ce matin, donc aujourd'hui, avec la presse nationale. Akasei Laza a expliqué aux journalistes le fonctionnement global de la RTI. Il a surtout insisté sur les réformes et mesures engagées depuis sa prise de fonction pour faire de la RTI le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest d'ici à 2020. Dans ce sens, il a annoncé une amélioration des grilles de programmes des chaînes de la RTI pour répondre le mieux aux attentes du public. Le directeur général a aussi annoncé la célébration prochaine du cinquantenaire de la RTI. Ce soir, le reportage complet de notre reporter. Il faut sauvegarder les forêts, notamment les forêts classées. C'est l'appel lancé à Assini Mafia dans la région du Sud Comoé par le ministre des Eaux et Forêts. Le ministre Babodaré, en tournée dans la région, a invité les populations illégalement installées dans les forêts à y sortir. Emmanuel, reportage. Bientôt, les populations illégalement installées dans les forêts classées en Côte d'Ivoire seront déguerpies. Et cette opération va commencer par la forêt classée de Niédré dans le département de Sassandra. Cette information a été donnée par le ministre des Eaux et Forêts à l'occasion du lancement de la tournée de sensibilisation des populations sur la sauvegarde des forêts classées en Côte d'Ivoire. Selon Mathieu Babodaré, trois mois après la signature et la publication de la note circulaire interministérielle demandant aux populations illégalement installées de sortir de ces forêts, aucun paysan n'a bougé. Cette tournée de sensibilisation qui a débuté par la sous-préfecture d'Assini Mafia a donc pour objectif de rappeler aux populations l'importance de la circulaire et les dispositions pratiques arrêtées par le gouvernement. Aujourd'hui, au lieu de transiger et à défaut sanctionner, nous allons appliquer les peines les plus fortes et puis après chercher à transiger. Ceci pourquoi ? Pour décourager en même temps tous ceux qui ont des velléités destructrices de la forêt. Les populations d'Assini Mafia disent s'inscrire dans la démarche du gouvernement. Cependant, elles souhaitent que l'État prenne en compte leurs préoccupations. La sous-préfecture d'Assini est, disons, en partie couverte d'eau, à raison de 70%, je pourrais dire. Donc, il ne nous reste que 30% de terres cultivables. Et dans ces 30%, les villages qui sont en bordure de mer sont chaque fois victimes d'érosion. À côté de nous, nous avons la forêt classée de Ngandanganda. Nous avons demandé au gouvernement si c'était possible de nous déclasser 1813 hectares afin de permettre à ces villages-là de s'installer. Plus de la moitié des 231 forêts classées de Côte d'Ivoire sont infiltrées par les populations à la recherche de terres cultivables. Le gouvernement, à travers l'opération de déguerpissement des clandestins et de destruction des plantations non encore en production, entend permettre à la société de développement des forêts sous défaut de procéder à leur réhabilitation pour une gestion durable et responsable des ressources naturelles. 1 000 milliards de francs CFA à mobiliser pour l'année 2013, c'est l'ambition de la Direction générale des douanes ivoiriennes. Ambition dévoilée au cours d'une rencontre tenue à Boaké avec les directions régionales et les services rattachés. Une rencontre qui a également permis à la Direction générale des douanes de sensibiliser sur le dédouanement des motos. Le reportage de Soro Corona est commenté pour vous par Kouadio Kouami. 1 175 milliards de francs CFA. C'est la somme à mobiliser par les douanes ivoiriennes au titre de l'année 2013. Pour atteindre cet objectif, voire aller au-delà, la Direction générale des douanes s'organise. Elle vient d'initier une rencontre avec toutes les directions régionales des douanes et les services rattachés. Au niveau de cette rencontre, les difficultés rencontrées et les perspectives pour l'année en cours. Aujourd'hui, pratiquement toute l'étendue du territoire douanier est couvert. Les postes qui avaient été abandonnés par la force des choses, par les douaniers, sont à nouveau
investis par les douaniers. Pendant près de 4 heures d'horloge, plusieurs points ont été débattus, à la grande satisfaction du premier responsable des douanes ivoiriennes, pour permettre aux propriétaires des engins à deux roues des zones ex-CNO d'être en règle. La direction des douanes vient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2013 le dédouanement des 10 engins. Faire comprendre à nos parents, à nos concitoyens de ces zones-là, que la Côte d'Ivoire est réunifiée. L'unicité de caisse est une réalité. La douane à géométrie variable, il faut en finir avec. Si bien que la dernière mesure que nous avons prise pour proroger de façon exceptionnelle pour l'année 2013 encore le dédouanement des motos dans les conditions actuelles, c'est vraiment la dernière prorogation. Au niveau des propositions, il a été soumis à la Direction générale des douanes le renforcement du personnel aux différentes frontières ivoiriennes et l'équipement des bureaux frontaliers. En 2013, c'est des objectifs de 129 milliards qui nous ont été demandés. Alors nous allons faire tout notre possible pour atteindre ce sommet, même voire la dépasser. Cette rencontre offre l'opportunité aux agents de faire des douanes ivoiriennes un service performant pour le dynamisme de l'économie ivoirienne. Rendons-nous à Blolequin, à l'ouest, où l'ONG Aweco a reçu des équipements pour mieux travailler. Investi dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de la cohésion sociale, l'ONG Aweco a été encouragée par les populations, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale a dressé un mur de méfiance entre les populations et brisé la cohésion sociale. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, grâce à une ONG, Aweco, les populations ont tourné le dos à la division et opté pour la paix. Pour cela, elle a été récompensée. Vous avez contribué à la réhabilitation des biens, des infrastructures, mais vous avez surtout contribué à la réhabilitation des esprits. Cette reconnaissance conforte l'ONG Aweco à poursuivre ses activités en faveur de la paix. Il y a rien à vous dire. Parce que ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est par rapport à vos soutiens. Parce que si vous ne pouvez pas nous soutenir, on ne peut pas gagner des bons résultats. Signalons également au nombre des activités de l'ONG la réhabilitation du marché de Blolequin. Les femmes ressortissantes de la région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont rencontré le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Au menu de leur échange, la réconciliation et la paix dans la région. Réconciliation et paix pour une cohésion sociale garantie en Côte d'Ivoire. C'est le vœu des femmes de la région de la Bagoué, qui regroupe le département de Tengrela, de Boundiali et de Kouto au nord de la Côte d'Ivoire. Au nom de l'Association des femmes de cette région, Honorable Traoré Mariam a exhorté le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Koné Nabaye Bruno, à soutenir l'initiative de leur association pour le développement de la région de la Bagoué. Selon Traoré Mariam, député à l'Assemblée nationale, aucune région ne peut se développer sans la paix et l'entente entre ses ressortissants. Une vision que partage le ministre des Postes et des NTIC, Koné Nabaye Bruno. Une tournée de sensibilisation est prévue dans la région de la Bagoué afin de prôner la paix et la réconciliation, gage du développement durable. Commentaire signé, Doigt de Laser. L'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius restera en détention préventive. C'est en larmes qu'il s'est présenté ce matin devant le tribunal de Pretoria qu'il a formellement inculpé du meurtre de sa petite amie tuée de 4 balles à son domicile à Pretoria. L'audience a été reportée à mercredi prochain. On reste en Afrique du Sud pour voir cette vague d'indignation à Durban après le viol mortel d'une adolescente. Elles dansent pour attirer l'attention sur leurs manifestations car elles ne sont pas très nombreuses. Elles portent la couleur du deuil. Le deuil pour Anen, une jeune fille de 17 ans, morte le week-end dernier après avoir été violée, éventrée et mutilée. Pour dénoncer ce crime, rendez-vous avait été donné ce jeudi matin devant le tribunal de Durban au moment où le président sud-africain Jacob Zuma devait prononcer son discours sur l'état de la nation. Dans un pays qui détient le record des infractions sexuelles, 65 000 l'année dernière, 178 par jour. Nous sommes rassemblés devant cette cour pour souligner que le viol est une urgence dans notre société et qu'il mérite plus d'attention.
Je suis une victime de viol. J'ai été violée il y a 10 ans. J'ai encore une cicatrice là, dans mon cou. Ma jugulaire a été ratée de peu. J'ai été violée et laissée pour morte. Peu de femmes témoignent, comme le fait Dawn. Résultat, les violeurs ne sont pas souvent inquiétés. Même quand ils sont identifiés, ils sont relâchés, faute de preuves. Quand les deux jeunes de 21 et 22 ans arrêtés pour le meurtre de Hanen ont été présentés au juge mardi, une foule s'est massée devant le tribunal pour réclamer justice. L'affaire a provoqué une telle émotion dans le pays que certains officiels ont rejoint les manifestants. Je suis convaincue qu'en tant que communauté, en tant que gouvernement, organisation de femmes et société civile, nous devons agir ensemble pour dire que ça suffit comme ça. Plus d'un quart des hommes sud-africains ont reconnu l'année dernière avoir déjà commis un viol. Et contre la banalisation de ce crime, le pouvoir politique n'a pas encore apporté de réponse. Et on termine ce tour de l'actualité dans le monde. En bref, première escale, Venezuela. De retour à Cuba, où il était au chevet d'Hugo Chavez, le vice-président vénézuélien a déclaré mercredi que le président recevait actuellement des traitements complémentaires. Ces traitements, a ajouté Nicolas Maduro, sont extrêmement complexes et difficiles. Hugo Chavez est hospitalisé depuis plus de 2 mois pour un cancer et n'a fait aucune apparition publique depuis, plongeant le Venezuela dans l'incertitude sur son avenir politique. Vive émotion en France après l'immolation mercredi à Nantes d'un chômeur devant son agence Pôle emploi. Le chômeur, un Algérien en situation régulière, avait annoncé à plusieurs reprises qu'il allait se suicider après avoir appris qu'il n'aurait plus d'indemnité, alors qu'il pensait avoir suffisamment travaillé et qu'il devrait également rembourser des allocations perçues à tort, selon l'agence Pôle emploi. Aux États-Unis, la fin de 6 jours de chasse à l'homme, des restes d'un corps calciné ont été retrouvés mercredi dans les décombres d'un chalet en Californie où s'était barricadé Christopher Dorner, un policier lancé dans une vendetta meurtrière contre la police de Los Angeles dont il avait été renvoyé. Les forces de l'ordre ont nié avoir délibérément mis le feu au chalet avant de donner l'assaut, confirmant cependant avoir jeté des bouteilles de gaz dans la maison après que l'ex-policier responsable de la mort de 4 personnes eut refusé de se rendre. Des milliers de femmes à travers le monde ont célébré jeudi à leur manière la Saint-Valentin. En Afghanistan, la fête des amoureux s'est transformée en journée de protestation contre les violences faites aux femmes sous toutes les formes, violences domestiques, mariages forcés ou crimes d'honneur. Aux Philippines, les femmes avaient également répondu présent à l'appel de la campagne internationale One Billion Rising, lancée par l'auteur de la célèbre pièce Les Monologues du Vagin et destinée à éveiller les consciences. Voilà, avant de nous dire au revoir, retenez que pour l'avancement des travaux du 3e pont, l'agence de gestion des routes annonce à partir de demain, samedi 16 février, la fermeture de la voie reliant l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au quartier Les Jardins de la Riviera 2. Et pour maintenir le trafic dans la zone du projet, l'AGROUTE a prévu des voies de déviation. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention.